Le Bloc démocratique chrétien renforce sa base ici à Tshubanga dans le premier arrondissement en procédant aux installations des responsables provinciaux, communaux et départementaux. La cérémonie que voici a été présidée par le secrétaire général de ce parti de la majorité républicaine et sociale. Le digne fils de Bitam était porteur d'un message de mobilisation et de sensibilisation. Le Bloc démocratique chrétien, c'est un parti politique qui a été créé par Guy Christian Mavioga. Nous avons organisé ce qu'on appelle une convention nationale, qui est l'équivalent d'un congrès. Et c'est ce qui nous a permis, n'est-ce pas, de réorganiser le directoire du parti. Et c'est cette convention qui a placé l'ami Anna-Claudine Mavioga à la tête de ce parti. Et c'est la même convention qui m'a désigné comme secrétaire général. Nous voulons apporter une autre touche, n'est-ce pas, à ce qui se passe aujourd'hui. Parce que lorsque un chrétien gère quelque part, il est à la crainte de l'Éternel, il aura du mal à mettre la main dans les deniers publics. C'est pour cela que nous voulons, par rapport aux élections qui arrivent, nous voulons que les chrétiens se mobilisent et présentent des candidats. Que les gens se manifestent à travers le Bloc démocratique chrétien pour être candidats. Il faut que le jeune s'assume aujourd'hui. Il faut que le jeune soit candidat. À partir du moment où vous avez déjà 18 ans, vous pouvez déjà vous faire enrôler. Ensuite, être candidat sur une liste et pourquoi pas devenir maire de Tshubanga ou maire adjoint dans un arrondissement à Tshubanga. Nouvellement installé au poste de coordinateur provincial du BDC, Guy Roger Moussourou Moussoti reconnaît la tâche qui lui sera difficile mais promet faire de bons résultats. L'événement que nous célébrons en ce jour est l'aboutissement d'un travail collectif considérablement entrepris par plusieurs personnes ici présentes depuis quelques années. Général, c'est pour moi un grand plaisir suite à ma nomination au poste de coordinateur provincial, même si les défis qui m'attendent sont compliqués et difficiles. Août 2023 étant proche, le BDC compte ratisser large et se met en course pour occuper le premier arrondissement lors des futures échéances électorales prévues, rappelons-le, en août prochain.